Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Resident Evil 7. Je parle bien évidemment de l'épisode 5 et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous êtes nombreux à suivre chaque épisode, à mettre des likes, voilà, chaque épisode atteint presque 10 000 likes ou dépasse les 10 000 likes, chaque épisode rentre dans le top tendance. Pour quelqu'un qui, comme moi, ne sort pas de miniatures, entre guillemets, putaclic, de titres putaclic ou autre, et ben écoutez, ça me fait extrêmement plaisir, vraiment. Donc du fond du cœur, un grand merci à vous tous d'être toujours présents, ça fait extrêmement plaisir. Et croyez-moi que ça m'encourage à essayer de vous proposer les meilleures séries pour les meilleures personnes, tout simplement vous. Donc c'est parti, on continue. Épisode 5, comme d'habitude, je vous entraîne à éteindre la lumière, fermer les volets, mettre un casque, mettre des écouteurs et avoir un petit paquet de chips ou de Coca-Cola. Allez, on est donc parti pour la suite de notre aventure. Je vais reload le pistolet, je ne sais pas pourquoi je l'avais pas fait, juste avant le record. Alors, j'ai lu vos commentaires, il y a eu pas mal de petits conseils. Je savais pas qu'on pouvait prendre l'herbe avant même de l'avoir fusionné. On va voir un petit peu ce que ça redonne. Ah, ça redonne pas grand chose. Ça m'a retiré une tache de sang. C'est pas ouf. C'est pas ouf, on va garder l'autre. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Attendez, les gars, je crache pas dans la soupe. Direction sous-sol donc. Je vais garder mes balles de fusil à pompe. Ça me paraît quand même pas mal. Et mes balles de pistolet. Je vais garder la petite clé pièce. Et puis je vais garder bien évidemment les deux heals. Donc c'est parti, on retourne au sous-sol. Souvenez-vous, il y avait le père Baker qui avait emporté avec lui la dernière partie de notre triple tête de chien rotatif à double entrée latérale. Donc on avait bien évidemment vidé. Alors on m'a dit que... Ah, voilà. On m'a dit qu'on pouvait faire les demi-tours rapides. Donc c'est rond et joystick arrière. Donc notez-le les gars, c'est hyper important. Ça, croyez-moi, que ça sauvait des vies dans les anciens Resident Evil. Bah ça va toujours sauver des vies dans celui-ci. Parce que j'en avais marre de mettre 4 heures à faire un putain de demi-tour. On est parti. Donc on continue, voilà, on s'est arrêté pile poil ici. Alors, il n'y a rien à fouiller encore pour le moment. J'ai toujours cette photo hein, qui emmène sur une cheminée. De l'herbe, je prends volontiers ma foi. Cartouche de fusil à pompe, je prends volontiers. Hop, on sait jamais. Sur un malentendu, ça pouvait se casser. What? Ça, c'est un boss, hein? La morgue. Ça, c'est un boss, hein? Voler la tête de chien à Jack. D'accord. On va se... What the hell? Ok. On s'est lâché pile poil pour un boss. C'est fermé. Attendez. D'accord. J'ai pas assez de balles. Hein. Je sais pas ce que je vais affronter. Waouh! Salle de dissection. Ok. D'accord, non, c'était là où Jack était. Oh, mais c'était le flic! Ah, sale l'histoire pour lui. Ok. Alors là, je vous avoue qu'étant donné que j'ai plus de poudre, on va faire des heals. On va faire des heals, ça me paraît pas mal. Ouais, je peux pas faire de balles. On va faire des heals. Ok, j'ai deux petits soins. Putain, mais c'est terrible, hein. Les effets d'ombre et tout. Ok, on continue. Ça va bouger. Quoi? Ok, Jack, il va me pousser. C'était sûr. Très bien. Tu ne peux pas t'échapper. Allez, dégage. J'en ai marre de tes conneries, frérot. Ok. Ok, on va essayer le coup du cadavre. Allez, dégage. T'es là, tu tiens pas droit, frère. Par où on passe? Par où on passe? Hop, dégage. Tu me tues et je reviens juste oh, après. Alors là, les gars. Oh,
Attends, ça m'a niqué une balle cette connerie là, non? Ok, ça m'a niqué une balle. Je sais pas du tout. Ok, cartouche de pompe. Un petit plaisir. Hop, nickel. Nickel. J'oublie toi. Ah. Hop. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Comment faire? Comment faire? Ah. Oh, putain de merde. Il me fait peur. Les flingues servent pas à grand chose. Calme-toi, par contre. Quoi? Ok. D'accord. C'est nouveau, ça vient de sortir. Comment je fais pour... Ah oui, d'accord. Je me demandais comment faire pour avoir la tronçonneuse. Génial. Hop. Wow, 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 wow. Ok, on se calme, petit. Vas-y. Oh là. Oh, c'est... Quoi? C'est de la discrimination. Oh putain de merde! Allez, dégage! What? Oi, 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 oi! Ok, petit heal! Allez, dégage! Hop, on va pas trop en faire, on va pas trop en faire. Faut savoir garder ses plaisirs. Voilà! Eh gros, c'est une tronçonneuse là quand même, hein! What, d'accord. Oh oui. Ah. Ah. Bah ouais, j'ai essayé de me baisser, les gars. C'est pas passé. Ah putain, je me disais, c'était beaucoup trop facile. Ok. Je me disais c'était beaucoup trop facile si beaucoup de tronçonneuses suffisaient. Vas-y bien frérot. Allez. Voilà. On va faire attention, on va passer à lui. Voilà. Attention. Oh là 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 là, j'ai tellement chaud là. Ok. Allez, dégage. J'ai réussi à faire une garde, je crois. Allez, ferme-la. Voilà, il y a une petite gorge profonde. Quoi? Gros? T'es mort, hein? T'es mort. Sois sympa. Évite de ressusciter. Ouais. Je suis assez d'accord avec lui cette fois-ci. Évite de ressusciter, ça serait cool. Ok. Je pense qu'on a mis fin au père Baker. Mais vous connaissez les bails. Oh yes, un remède. Vous connaissez les bails, à mon avis. Ce n'est point terminé. D'accord. Ok, plutôt utile la tronçonneuse, effectivement. Ah, non, j'ai rien dit. La tronçonneuse. Je l'aurais bien gardé quand même. Hein. Je vous cache pas qu'avec, je me sentais assez puissant. Ok, tronçonneuse, c'est fait. Donc le père Baker est mort, hein, les gars, là. S'il revient, je comprends pas, hein, vraiment. Hein. Ok, il a réussi à faire 3-4 mètres avec des jambes. Enfin, il y avait aucun projet autour, quoi, tu vois. Ok, c'est par où la sortie? C'est par ici? On va fouiller là-dessous quand même. Hop, poudre. C'est pas mal ça. Y a pas de petit fluide, y a rien. Ok, je suis super content. Je suis super content parce qu'on s'en est bien sorti. C'est parti. On se casse. On se casse et évidemment, je n'ai pas la clé. Donc ça va être chiant. J'essaye quand même. J'aimerais bien retourner. Il n'y avait rien sur lui. On peut pas fouiller ses jambes. Parce que je peux pas fouiller son corps, étant donné que, bon, les gars, il reste pas grand-chose, mais au moins les jambes. Peut-être qu'il avait les clés dans ses jambes. Parce que c'est facile de prendre ses jambes à son cou. Non.
Ok, plus rien dans les poches. Très bien, on se casse. En tout cas, le jeu, bien sanglant, bien gore à souhait. Ça fait plaisir. Bon, on a les trois têtes. On peut donc sortir de la maison. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va bien évidemment aller sauvegarder. Parce que c'était pas évident quand même. On s'en est bien sorti. Ouais. Il n'y a plus rien à faire ici. Alors là, s'il y a quelque chose qui apparaît, les gars, c'est pas très cool. S'il y a quelque chose qui apparaît, vous savez quoi, on trace. Putain. On va pas le tuer, ça sert à rien, à part nous faire perdre des balles. On va prendre mon petit raccourci. Ok, c'est bon, on s'en sort bien. On va pouvoir sortir, nickel. Bon, il n'y a plus le père Baker. Néanmoins, il reste quand même quelques problèmes. Il y a le jeune, il y a Marguerite, je sais plus comment il s'appelle, le jeune. Et j'ai encore cette photo de cheminée où va falloir impérativement que je trouve où est déjà où elle est, ça serait pas mal. Et que renferme le trésor de cette cheminée. On m'a dit qu'il était dans le salon. Alors les gars, je sais pas vous, je connais quand même bien la maison maintenant. Il y a plusieurs salons. On va voir où elle est la photo. Photo du trésor, elle doit être quelque part par ici. Elle est ici. Ok, nous avons... Qu'est-ce que je peux mettre? La poudre, je vais la remettre. La tête de chien, on va s'en débarrasser. Et on va regarder la photo. D'accord. Une cheminée de pierre. Avec une petite table blanche à côté. Très bien. Très très bien. Où elle peut être la cheminée, les gars? Oh! Putain de ta mère! J'ai eu tellement peur! Elle chante! Elle a disparu? Ok. J'ai la troisième tête. Il faut que je trouve cette cheminée. Cheminée de pierre, donc. Putain, les délires. Il est où le salon, là? Attendez, les gars, je dois être fou. Le salon. C'est jour. C'est ça, normalement, le salon. Garage, buanderie. Ok. Ah non, salon. D'accord. Ok. Faut que je repasse par là. On va y aller vite fait, parce que c'est un trésor. C'est photo d'un trésor. J'espère pas être déçu, juste. J'espère pas tomber sur une mauvaise surprise. Mais bon, j'ai quand même un fusil à pompe, je me sens un petit peu plus rassuré. Yo. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Yes, c'est par ici. Photo d'un trésor. Ah, c'est là. Des stéroïdes. C'est pas méga ouf, hein. Renforce sensiblement les muscles et augmente votre vie maximum. Les effets sont permanents. C'est pas méga ouf. Je m'attendais un petit peu à mieux, je vous avouerai. Mais c'est mieux que rien quand même. Très bien, ça serait pas mal que je trouve un autre crochet aussi. On va pouvoir partir. Est-ce que je vais sauvegarder? J'ai quand même pas mal de salles de save. Là, je suis pile poil entre deux salles de save. Ça serait pas mal qu'on aille sauvegarder. On va le faire. On va faire ça. Là, y'a rien qui peut... Ok, y'a rien qui peut sortir. Là, y'a rien non plus. Ouais, j'ai rien fait de toute façon, je sais même pas pourquoi je vais sauvegarder. J'ai strictement... Oh putain. Allez, on va sauvegarder, je suis désolé les mecs. Là le père il peut pas être là. Je suis désolé les potes, on va sauvegarder parce que... Je sais pas, je suis pas bien. On va ouvrir la porte de dehors, je sais pas du tout à quoi elle mène. Ça peut être très dur, très difficile, très complicado. Y a aussi des trucs, je pense qu'il faut tirer dedans. À voir si un coup de couteau pourrait résoudre le problème. On va voir ça tout de suite. Hop, sauvegarde en cours. Ouais, on va faire ça. Je vais voir si un coup de couteau... Bon, après, on va pas refaire tout le jeu à la recherche. Ah si, d'accord, ok. Ok, bah dorénavant, je vais mettre un petit coup de couteau dedans. Ah, il y en avait partout, je crois qu'il y en avait même dans le garage. Et le garage est toujours fermé. Peut-être que de l'extérieur, on va pouvoir retourner dedans, on va voir ça tout de suite. Ça, c'est toujours cette photo. Attendez, je crois qu'il y en avait un là.
Voilà. Ma mémoire ne me fait pas défaut. Et y a, j'ai intérêt à être récompensé, hein. Les gars, j'ai intérêt à être récompensé, hein. Ok, le téléphone ne sonne pas. C'est parti. Il y avait Marguerite dehors la dernière fois. Waouh. Alors, mon instinct de survie me dit de foncer à la caravane, n'est-ce pas? Ok, cours Ethan, cours. On va voir la caravane ou pas? Ok, la caravane. Oh, c'est peut-être Azoé. C'est sympa ça. C'est sympa, ça c'est du 95... 95, qu'est-ce que c'est que tout ça? Stéroïde, augmente votre vie, d'accord. Stabilisateur. Ah, c'est à ça que servent les pièces, ok. Ok, 44 magnum, beaucoup de recul, mais beaucoup de puissance. D'accord, donc là il en faudrait 9. C'est ça? Ah, la célèbre, bon, on l'a déjà vu cette photo. Il est trop tard pour eux. D'accord. Mon corps est de plus en plus bizarre. Je serai bientôt comme papa et maman. Tout est de sa faute. Est-ce que je dois m'enfuir? Non, impossible. Si elle s'en rend compte, elle me tuera. Donc je pense qu'elle parle de Marguerite. Cette femme qui l'accompagnait, Mia, elle sait quelque chose. Si j'avais le sérum, je pourrais me soigner. Il faut que j'en sache plus. Il y a donc un sérum. Il y a une télé. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pistolet cassé. Pourquoi pas? Ok, écoutez, j'ai un pistolet cassé, je ne sais... Il est cassé, mais peut-être qu'un kit de réparation pourrait le remettre en état. Très bien. Très très bien. On va le mettre de côté. On va mettre ceci de côté. Et ma pièce, j'ai 6 pièces. Encore 3, les gars, et on a un petit magnum. Ça fait toujours plaisir. Bon, bah, on va sauvegarder, quitte à être ici, les mecs. Autant sauvegarder dans la caravane. D'accord. Donc la caravane, c'est un petit point de repère. Va falloir que je trouve la carte des lieux, bien évidemment. Parce que je sais pas ce qui m'attend dehors, ça a l'air gigantesque. Et en plus, à mon avis, il y a une autre dépendance. À quoi? Quoi? Il était où le téléphone déjà? Allô? T'as réussi. J'avais jamais vu quelqu'un arriver aussi loin. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça va m'aider à sortir d'ici? Oui. Écoute-moi attentivement, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas quitter la résidence tant que je suis infectée. Et c'est pareil pour Mia. Est-ce qu'il y a un antidote? Il nous faut le sérum. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Du moins, tant qu'il n'est pas trop tard. D'accord. Où est-il? Si je le savais, je serais déjà partie d'ici. Mais je crois que ma mère l'a caché quelque part, dans la vieille maison. Donc si on le trouve, je pourrais aider Mia et on pourra sortir. Oui. Et moi aussi. La vieille maison est au bord de l'eau. Tu ne peux pas la rater. Ok. J'espère que tu pourras échapper à ma mère. Ta mère? Sois prudent. Ils vont être après toi. D'accord. Ça va être très sympa, là. Tu sens l'ambiance arriver? La vieille maison. Ok, donc ça, c'était la nouvelle maison. Ça va. Ça va, vous prenez plutôt soin, bien évidemment, de vos lieux. Ok, là, je peux pas... J'ai un moyen de rentrer là-dedans. Hein? Ah, les gars, j'ai essayé, hein. Écoutez, on peut pas... Peut-on vraiment m'en vouloir? D'accord, très bien. On va aller faire un petit tour là-haut. C'est quoi, ça? C'est ça, la vieille maison? Ouais, j'ai de la lumière. On dirait un parc d'attractions. Petite tête de mannequin là-dedans. Ok. C'est verrouillé de l'autre côté. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Carte magnétique, je suppose. On dirait une sorte de laboratoire. Des suppléments. Ok, j'ai des petits suppléments là, gros. Des petites agrumes. À tout moment, on va pouvoir partir en petite recette. Il y a une tondeuse. Il y a une tondeuse véhiculaire. Très important aussi à noter. Ok. Je vais poser mes suppléments.
On va éviter de s'encombrer. On va découvrir un nouveau lieu, donc ça peut être ouf. Des comprimés agissant sur le système nerveux, inutilisables tels quels, ils doivent d'abord être transformés en médoc. Ok. On va re-sauvegarder, puisqu'on a eu la conversation téléphonique, pour éviter de la refaire. D'accord. Écoutez, les gars, direction la vieille maison. Je pense qu'on peut y arriver. On peut le faire. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok. C'est forcément par là. Vous entendez ? Quelqu'un qui respire. Allume ta lumière, putain, ça bouffe pas de pain, merde. Ah, c'est sympa ici. Et elle est derrière moi, MDR. Ok. Toujours sympa l'ambiance. Ok, là, y'a rien. Munition de gun, ça va... Ah ! What the, ta. Ok. Dégueulasse. Oh ! Putain ! Mais gros ! Mais lâche-moi ! Malade, toi ! What ? À couteau tiré. Ah ! C'est moche ! Wow ! C'est quoi ça ? Eh, mais ça en VR, les gars ? Je fais une crise cardiaque direct. Ok. C'est quoi ces putains de délires ? C'est qui parle ? Quel est ce sortilège ? Elle est en haut, n'y va pas. Quel est ce putain de sortilège ? Ah ! C'est quoi ça ? Mais ça m'empêche de passer, les mecs ! Je fais quoi ? J'y vais en mode rien à foutre ou quoi ? Eh, rien à foutre. Rien à foutre, j'ai dit ! Quoi, ce délire ? Ah ! Oh, putain ! Ah ! C'est quoi, ça ? Ah ! C'est les araignées ! Oh, putain de merde ! Ok, c'est fermé. Attendez, je me soigne pas tout de suite parce que ça se trouve, ce que j'ai fait, c'est pas good. Okay. Combustible solide. Matière solide inflammable qui brûle intensément une fois allumée. Utilisable tel quel. Tiens donc. Si jamais je fais ça... Combustible, ok, matière solide inflammable qui brûle instantanément une fois allumée. Si je fais ça, je peux pas l'utiliser. Il va y avoir une... Oh putain! Dégage! Je sais pas si ce que j'ai fait c'est bien. Donc pour l'instant... Oh. Non mais les mecs... C'est un truc de ouf. Je vais faire un arrêt, hein, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégagez. Okay. T'es bloqué, Bolos. Un injecteur. Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? On dirait que ça peut être combiné à... Ah! Salope! T'es où? Putain!
Je fais quoi? J'utilise un heal ou pas, les gars? Je sais pas si ce que j'ai fait c'est bien, c'est pas bien. Combiné avec ça. Qu'est-ce qu'un injecteur, mais gros. Vous allez trop loin, les gars. On va dire que c'est un premier jet, une visite. Une visite dans mon état. Ok. On va en arrière. Il y a des essaims, gros. Ah ouais, ouais, non. Bon. Ah non, non. Ok, il y a carrément des essaims d'abeilles. Enfin, d'abeilles, de guêpes, d'insectes dégueulasses. Ça fait stresser de ouf, ça. C'est un screamer à lui tout seul, le bordel. Très bien. Très, très bien. Comment on va faire? Alors, les insectes reviendront sans cesse tant que leur nid sera intact, détruisez les nids sur les murs ou au plafond pour en venir à bout. Les petits insectes sont difficiles à atteindre avec des balles, il vaut mieux utiliser le lance-flamme. Et oui, le lance-flamme. Ah oui, d'accord, vous me remettez ici, bande de bâtards. Ah oui, vous me remettez ici. Ça veut jouer comme ça. Ça veut jouer comme ça, frère. J'ai pas sauvegardé, vous me remettez ici. Si je fais ça. Attendez. Parce que je crois que ça a sauvegardé automatiquement. J'ai le cœur qui palpite. Parce que j'ai tracé. C'était peut-être pas fait pour être tracé. Appuyez sur croix pour fermer les portes. Ok, bon, ça on sait. Porte entrouverte. Lorsqu'une porte est entrouverte, appuyez sur croix tout en reculant pour la fermer. D'accord. D'accord. Il y a donc bel et bien une sauvegarde automatique. Ferme-la, toi. Comment on peut détruire ça? Mais là, il y a les seins dehors, là. Et j'ai pas de lance-flamme, cousin. Oh, mais non, 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 non! Aïe! Ah! Je sais pas où je suis, putain! Ah! Allez, on saute. Je sais pas où je suis, c'est stressant. Dégagez! Oh là là! Mamma mia! Un injecteur. Ça, c'est l'araignée. C'était juste dehors. Je l'ai, mon brûleur. Vous n'avez pas de place dans votre inventaire, effectivement. Putain, mais c'est pas vrai! Yes! Un coffre! Ok! Je retrouve espoir en la vie! Bon, on a un injecteur. On va le mettre là. On a une herbe. On va la mettre là. Balle de pompe. Putain, ouais, mais le pompe, il prend tellement de place. Ça, je sais pas c'est quoi, combustible. Balle de pompe, 11. Hop, c'est quoi? Pour l'instant, pas besoin. Y'a pas moyen d'avoir un sac à dos, là? Hop, ça, ça dégage. Trop de bruit pour rien. Ah, oh, bah, un sac à dos! Oh yes! Oh lol! Nickel! Ok! Bon, on va retourner là où on en était. C'est-à-dire l'injecteur. Qu'on reprend. On sait jamais, on sait pas trop à quoi ça sert. Utilisable dans lequel. Ok, il doit d'abord être transformé en médoc. Et puis une cartouche de pompe. Et sur un malentendu. Au cas où il y a embrouille. Yes, on a trouvé un sac à dos! Je me suis soigné en plus. Bon bah, impeccable! Et on a le brûleur juste derrière. Encore plus impeccable! Je vais pouvoir tout arracher, là. Je vais pouvoir tout arracher. Yes. Ok. Donc, le brûleur. Comment il marche? Comme ceci. Ok, combiné. Ah oui! Ok. Combustible. Psychostimulant. D'accord. D'accord, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de combinaison. Là, c'est parti en couille hyper vite. Hein. Ok. Il doit être combiné à quelque chose. Moi, je suppose qu'il doit être combiné à ça. Waouh! Yes! C'est bon, ça! On a l'injecteur, on a le lance-flamme, les essaims d'abeilles, enfin, les essaims de je ne sais quoi, ne me feront plus peur, et ça, c'est incroyable. On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On retourne visiter la vieille maison. Et là, je peux vous dire que ça va tabasser
De ouf. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao.